mon pasteur Jérémy, bien que je connais, c'est abonné. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et plus principalement, que de sa famille, la foi et il est plus qu'un fidèle. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, bien, si tu ne prends pas soin de ta famille, ce matin, Dieu va envoyer ton pays de Dieu. Si tu ne prends pas soin de ta famille, Dieu va prendre soin de ta famille. Ça te l'amène. Dieu nous a constaté ce matin pour nous dire, si nous n'arrivons pas à prendre soin de nos propres familles, lui-même qui prendra soin de nos familles. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il a gagné sa force. Pourquoi nous ne prenons pas soin de nos familles? Qu'est-ce qui fait que nous ne prenons pas soin de nos familles? Il est mort, devenir d'abord la cause qui fait que nous ne prenons pas soin de nos familles. Premièrement, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, je le lis. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Pour le prêtre et prêtre, on dit Amen comme vous le voulez. La raison pour laquelle tu ne prends pas soin de ta famille, la cause pour laquelle tu ne prends pas soin de ta famille, c'est parce que tu as abandonné ton Seigneur amour. Amen. Alors, comme moi Dieu fait ma chance, je suis venu pour prendre soin de ta famille pendant que tu as fait. Souviens-toi donc, tout ce qui est tombé, répands-toi. Amen. Et pratique. Et fais mes œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et je serai ton chandelier dans ta place à moins que tu ne répandes. L'amour. Comment tu as réveillé ta famille? Comment tu n'as pas besoin de ta famille? Nous allons continuer à répéter ta vie dans ta vie. Amen.
et heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les convictions et en les prouvant selon le Seigneur. Dis-moi avec qui, dis avec moi, en les prouvant selon le Seigneur. Amen. Attends-y pour les plus. En les prouvant selon le Seigneur. Je continue, vous êtes. Serviteur, obéissez à vous-même selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Pour m'en finir, prions 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. Si vous êtes là, je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. Soyez le